à nos frères et sœurs des autres églises et confessions religieuses. Les évêques du Bénin renouvellent leur proximité et leur fraternité en Jésus-Christ. Le troisième dimanche du temps ordinaire est dénommé Dimanche de la parole de Dieu. Cette année, l'événement sera célébré le 21 janvier 2024. Ce sera aussi l'occasion pour le pape François de procéder au lancement officiel 2024 comme année de la prière en préparation du jubilé de l'année sainte 2025. Sur le plan politique, en cette période où s'observent diverses manifestations et prises de position implicites ou explicites dans de nombreuses localités et instances de notre pays, les évêques du Bénin invitent tous les acteurs politiques, quel que soit leur bord, à toujours viser l'intérêt supérieur de la nation dans leur prise de position et de décision. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse et de crainte de Dieu leur inspire toujours les bonnes paroles, les bonnes actions et les meilleures orientations en vue du bien de tous, de la décrispation de l'atmosphère politique, en veillant surtout à la préservation de la paix et de l'unité nationale. Sur le plan social et sécuritaire, les évêques du Bénin se sont penchés sur diverses questions qui méritent une profonde réflexion et des actions concrètes. Il s'agit notamment de l'insécurité dans notre pays, avec des prises d'otages, séquestrations et sacrifices humains. Aux auteurs de ces actes odieux, les évêques du Bénin lancent un appel urgent à la crainte de Dieu, car la vie humaine est sacrée et inviolable. Les évêques du Bénin lancent un vibrant appel à tous les fils et filles de notre pays à cultiver le sens et l'amour du travail bien fait, principal socle de tout développement. Toujours sur le plan sécuritaire, face à la recrudescence alarmante des accidents sur nos axes routiers, les évêques du Bénin expriment leurs profondes préoccupations. Ils rappellent que la vie est un précieux don de Dieu et que chacun a le devoir de préserver la sienne et celle des autres, conformément à l'enseignement de l'encyclique Donum Vitae du pape Jean-Paul II. La conférence épiscopale du Bénin tire la sonnette d'alarme sur un certain nombre de déviances et comportements autodestructeurs qui s'observent de plus en plus au sein de la couche juvénile. Il s'agit de l'abus d'alcool, de drogue, de la dépravation des mœurs et des pollutions sonores, surtout nocturnes. Non seulement ces fléaux compromettent le bien-être physique, psychique et moral de nos jeunes, mais aussi ils remettent dangereusement en cause leur avenir. Ce centre que nous admirons ensemble symbolise l'engagement ferme du gouvernement américain à soutenir les efforts des autorités béninoises pour consolider la paix et la stabilité. En fournissant cet espace, notre objectif est de renforcer les interactions positives entre les jeunes de Dasari et d'accroître leur engagement positif pour la paix et la cohésion sociale au sein de leur communauté. La maison des jeunes la plus moderne de la commune de Matéri. Pour ceux
nous les disons merci. Et la jeunesse de Dassari ne peut plus être dépaysée avec toutes ces réalisations qui ont été mises à notre disposition. Vous nous avez montré comment nous devons faire pour être ensemble. Je voudrais encore vous remercier. Et je voudrais prendre un engagement ferme de faire de cette maison des jeunes une référence en matière de développement inclusif. Et qui dit les jeunes, il y a aussi les mamans qui s'accordent au maraîchage. C'est l'indépendance totale en matière d'approvisionnement en eau. PRAPSE, à travers l'USAID, va nous aider encore à innover. Votre savoir-faire et votre engagement envers l'excellence ont façonné notre expérience de formation d'une manière impeccable. Les diplômés du cycle master de l'INMES en pratique avancée avaient leurs compétences de haut niveau en pratique clinique, en accompagnement en consultation intra- et interprofessionnelle, pourront contribuer à un meilleur accès de la population béninoise à la prestation des soins de qualité. Il y a fait dans un passé récent un véritable désert médical et même paramédical dans certaines contrées de notre pays. Et cela nous a conduit à identifier le besoin crucial de former sur place pour ces spécialités. Et avec la vision très positive et très prospective du chef de l'État, nous avons pu concrétiser l'ouverture de ces masters avec l'accompagnement de l'ensemble du gouvernement. Je voudrais encore une fois, en espérant que chacun a pris action, en espérant que vous, surtout bénéficiaires, vous avez compris que vous n'avez pas autre chose à faire que de donner raison aux partenaires, au gouvernement, d'avoir soutenu ces programmes. Pour atteindre cet objectif, déjà en 2020, à l'élaboration ou à l'actualisation de la troisième édition du guide SIMR, le projet REDICE a accompagné le pays à former 324 personnes acteurs de la surveillance épidémiologique. Je suis en 2020 où on parlait très peu du One Health. Le projet a accompagné aussi en 2021 la formation ou la mise en place des centres de surveillance épidémiologique qui a formé aussi bien les acteurs de la surveillance que les acteurs du laboratoire avec la Fondation Biomérieux et d'autres formats de surveillance épidémiologique. L'utilisation des données probantes est extrêmement importante. C'est vous qui devrez produire. Vous allez transformer les données. En quoi? En information. Pour qui? Pour l'autorité. Pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils prennent une décision. Et je compte vraiment sur vous. Un épidémiologiste, ce n'est pas celui qui est en cravate et qui reste dans son bureau thématisé et qui attend qu'on lui envoie les données. C'est celui qui pourchasse les données. C'est celui qui est à l'avant-garde, qui déploie de l'énergie. Ces actions historiques venues à point nommé ont réveillé la volonté manifeste et avec promptitude, un mot-clé en épidémiologie, les équipes de veille dans l'accomplissement de leur mission. Mes collègues et moi prenons solennellement l'engagement de maintenir la dynamique tant en santé animale que humaine afin de faire rayonner notre pays au rang des grandes nations dont la surveillance épidémiologique est déjà une réalité. Cela appelle de vous le renforcement donc des activités de surveillance et surtout pouvoir maintenir le cap. Vous êtes des modèles inspirants pour les femmes de notre pays et je suis convaincu que votre travail contribuera à rendre notre pays, le Bénin, plus fort et plus juste
équitable et inclusif. 2023, comme vous le savez, à la faveur de la mise en œuvre des réformes courageuses engagées depuis un moment, le taux de présence féminine à l'Assemblée nationale du Bénin, qui n'avait jamais atteint, et cela a été rappelé, 10%, est passé à 26,6%, avec 29 femmes sur 109 députés. Nous notons également une amélioration du taux d'occupation des postes de responsabilité par les femmes dans l'administration publique. Ce caucus se veut être un creuset qui vise à promouvoir une meilleure participation des femmes à la vie politique, économique et sociale, tant au niveau national qu'international. Et vous devez faire la prochaine étape et vous devez vous pousser pour être capable d'avancer, d'être, vous êtes au même niveau que les hommes et je pense même plus parce qu'il y a beaucoup de soutien pour vous. J'ai fait des grilles, j'ai monté les grilles publiques de Tarif d'Air France au départ de Cotonou, au départ de Lomé. Elles montrent clairement qu'il n'y a pas d'écart significatif entre les grilles tarifaires au départ de Lomé et au départ de Cotonou. Ce que Air France touche, ce que Air France va prendre comme argent et aller dans les caisses d'Air France, le hors-taxe donc est moins cher au départ de Cotonou qu'au départ de Lomé. Si nous rajoutons les taxes d'aéroport, donc c'est-à-dire ce que je paye aux différents États français, du Béninois, du Togolais, le TTC est plus cher au départ de Cotonou de quelques pourcents. Donc l'écart qui existe entre ma grille économique au départ de Cotonou est justifié par l'écart de taxes qui existe au départ de Cotonou. Les taxes de Cotonou, comme vous le savez, sont largement supérieures à celles de Lomé. Mon hors-taxe est moins cher au départ de Cotonou, et ça, ça a été pour compenser quelque part la différence de taxes. Ça, c'est pour la grille économique. Au niveau de la grille en premium économie, elle est légèrement supérieure au départ de Cotonou, que ce soit hors-taxe ou TTC. Donc là, effectivement, il y a un petit écart, mais qui reste, on va dire, dans une mesure de 5 à 10% entre les deux. Donc, ce n'est pas un écart de 30 ou 40% comme vous avez pu l'entendre. D'accord ? Au niveau de la classe business, les tarifs sont moins chers au départ de Cotonou qu'au départ de Lomé. Ça, c'est pour ce qui concerne les grilles publiques. Donc là, les grilles, elles sont publiques, elles sont accessibles à tout le monde. Je les ai transmises à M. le ministre, et il a pu, enfin, c'est dans les annexes de mon courrier, il pourra vérifier que ce que je dis est vrai. Donc, je résume. En économie, donc ce qui intéresse le plus de passagers béninois, nous sommes moins chers hors taxe au départ de Cotonou qu'au départ de Lomé. Le TTC fait que nous sommes plus chers. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le président nigérian Bola Ahmed Tinubu à Abuja mardi, alors qu'il poursuivait sa tournée dans quatre pays africains. Blinken s'est rendu lundi au Cap-Vert et en Côte d'Ivoire, où il a présenté l'Amérique comme étant le principal allié économique et sécuritaire du continent en période de crise régionale et internationale. Après sa visite au Nigeria, il se rendra en Angola. Axé sur le commerce, la sécurité et la promotion de la démocratie, cette tournée intervient dans un contexte de crise meurtrière et de coup d'État généralisé qui menace la stabilité du continent. Selon les analystes, l'Afrique semble avoir été reléguée au second plan par le président Joe Biden, son administration étant de plus en plus accaparée par d'autres questions internationales telles que la guerre en Ukraine, la guerre entre Israël et le Hamas et sa rivalité avec la Chine. Après une première escale au Cap-Vert, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé en Côte d'Ivoire où il a rencontré le président Alassane Dramane Ouattara mardi. Lors d'une conférence de presse, Anthony Blinken a félicité le pays d'Afrique de l'Ouest pour son leadership dans la lutte contre le terrorisme et a annoncé un financement de 45 millions de dollars.
Nous apprécions particulièrement le leadership dont a fait preuve la Côte d'Ivoire face à l'extrémisme et à la violence. Nous annonçons un nouveau financement de 45 millions de dollars dans le cadre de la stratégie américaine de prévention des conflits et de promotion de la stabilité pour les États côtiers d'Afrique de l'Ouest. Avec ce nouvel investissement, les États-Unis auront investi près de 300 milliards de dollars au cours des deux dernières années dans l'aide à la stabilité en Afrique de l'Ouest. Nous nous efforçons également de renforcer les capacités de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité. Au cours de l'année écoulée, la formation a été multipliée par 15 en ce qui concerne l'équipement de formation pour les militaires. Nous augmentons également les investissements dans les forces civiles. La visite d'Anthony Blinken intervient quelques jours après la tournée africaine du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, qui a salué l'augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays. Cet enfant camerounais reçoit une première dose de Mosquirix, un vaccin contre le paludisme. Le Cameroun est devenu depuis lundi le premier pays à immuniser sa population infantile contre la maladie. Après les 4 doses, on peut vous rassurer que votre enfant ne fera plus des formes graves du paludisme et que votre enfant ne pourra plus mourir des suites du paludisme. Est-ce que vous avez compris? Le vaccin n'étant efficace qu'à environ 30% nécessite 4 doses. Approuvé par l'OMS il y a 2 ans, il a été testé en Afrique et utilisé dans des programmes pilotes dans 3 pays. Et ces effets indésirables ont été étudiés pendant plus de 9 ans. Et les effets indésirables qui ont été rapportés le plus fréquemment pour ce qui concerne le vaccin contre le paludisme, c'est la fièvre, le gonflement au niveau du site d'injection et l'irritabilité qui passent de façon mineure et qui sont passagers. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du déploiement de la vaccination dans un continent où la maladie tue chaque année 600 000 personnes, principalement les enfants. Nous avons été notifiés pour le vaccin des enfants contre le paludisme. Nous trouvons que c'est une bonne chose parce que beaucoup d'enfants également nous ont fait comprendre que 95% d'enfants meurent ayant le palud. Donc on nous a dit que ce vaccin va nous prévenir des formes graves du paludisme. Le Cameroun veut vacciner 250 000 enfants cette année et l'année prochaine. On a un outil supplémentaire donc, qui va compléter la gamme de ces outils pour la prévention contre le paludisme. Et évidemment, le souhait que nous voyons rapidement décliner les chiffres du paludisme, à savoir la morbidité et la mortalité. Outre le Mosquirix, un autre vaccin développé par l'Université d'Oxford a été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé en octobre. Le président rwandais Paul Kagame a accusé son homologue burundais d'attiser la haine dans son pays après que ce dernier a estimé que la jeunesse rwandaise était en captivité et que la région est-africaine devrait continuer à se battre jusqu'à ce que le peuple rwandais fasse pression sur son propre gouvernement. Pour Kigali, ses propos tenus dimanche dernier à Kinshasa constituent une violation flagrante de la charte de l'Union africaine et sapent les progrès réalisés auprès de cette jeunesse rwandaise. Les relations entre Kigali et Bujumbura sont exécrables depuis le 11 janvier dernier, date à laquelle le président Evariste Ndayishimiye a décidé de fermer ses frontières avec son voisin qu'il accuse de financer les rebelles Red Tabara, un mouvement terroriste. Des accusations refutées par le Rwanda. Le sommet du Sud s'est terminé lundi dans la capitale ougandaise, Kampala. La réunion de 2 jours avait pour thème « Ne laisser personne de côté » et prône une nouvelle dynamique à la coopération entre ses 134 États membres. Le groupe des 77 et la Chine restent unis dans la poursuite de leurs intérêts collectifs aux Nations Unies. Dans le cadre des procédures intergouvernementales des Nations Unies, nous devons veiller à ce que les priorités du groupe soient valorisées et défendues. Ce sommet vise à promouvoir la coopération Sud-Sud dans les domaines du commerce, de l'investissement, du développement durable, du changement climatique, de l'élimination de la pauvreté et de l'économie numérique. Il faut se rendre à l'évidence, ceux qui profitent le plus du système actuel de gouvernance mondiale sont peu enclins à vouloir le réformer. C'est donc vous qui devez donner l'impulsion nécessaire au changement. La coopération de la Chine avec le G77
apportent une aide importante aux pays en développement, leur permettant de se positionner dans un environnement mondial de plus en plus concurrentiel. Je pense que la Chine apporte une contribution très importante. Ce sommet est la voie du Sud et l'un de mes principaux objectifs est de veiller à ce que nous réformions les institutions internationales pour que le Sud acquière la place qui lui revient dans la réalité d'aujourd'hui. Créé en juin 1964, le Sommet du Sud est la plus grande organisation de pays en développement des Nations Unies destinée à défendre leurs intérêts économiques. L'armée américaine a déclaré mardi qu'elle avait mené des frappes aériennes en Somalie au cours du week-end dernier. Trois membres du groupe armé Al-Shabaab liés à Al-Qaïda ont été tués sans faire de victimes civiles. Le commandement militaire américain pour l'Afrique a déclaré dans un communiqué que les frappes avaient été effectuées à la demande du gouvernement somalien dans une zone reculée située à environ 35 km au nord-est de la ville portuaire de Kismayo. Le groupe armé n'a pas réagi dans l'immédiat aux frappes américaines. Le récent rapport du Comité de la protection des journalistes est accablant pour l'Afrique subsaharienne. Le nombre de journalistes incarcérés est passé de 31 en 2022 à 47 au 1er décembre 2023. Le CPJ classe l'Érythrée en tête des mauvais élèves de la liberté de la presse en Afrique, avec 16 journalistes derrière les barreaux. Le pays occupe la 7e place mondiale, avec les cas les plus anciens de journalistes emprisonnés, sans aucune inculpation. Le rapport du CPJ indique que l'Érythrée est suivie de l'Éthiopie avec 8 journalistes incarcérés, puis le Cameroun qui en compte 6. Selon toujours le rapport, le nombre de journalistes éthiopiens emprisonnés reflète l'environnement difficile dans lequel évoluent les médias dans ce pays d'Afrique orientale. En République démocratique du Congo, Stanis Boujakera Chimala croupit dans une cellule communale de la tristement célèbre prison de Makala à Kinshasa. Le CPJ s'inquiète pour le manque d'attention à l'échelle mondiale sur le sort de ce correspondant de Jeune Afrique Reuters, ainsi que tous les autres journalistes incarcérés dans les prisons africaines. La Cour suprême espagnole a jugé lundi que l'expulsion massive de mineurs de l'enclave espagnole de Ceuta vers le Maroc en 2021 était illégale. Des centaines de mineurs non accompagnés faisaient partie d'un groupe d'environ 12 000 personnes qui ont tenté de traverser cette frontière entre le Maroc et l'Espagne en mai 2021, en escaladant une barrière frontalière ou en la contournant à la nage. L'Espagne est légalement tenue de s'occuper des jeunes migrants jusqu'à ce que leurs parents puissent être localisés ou jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 18 ans. Mais les responsables ont déclaré qu'un accord conclu en 2007 entre l'Espagne et le Maroc prévoyait des retours assistés une fois que les cas des enfants avaient été examinés. Le tribunal a jugé que l'expulsion violait l'intégrité physique et morale des migrants et violait la Convention européenne des droits de l'homme. Le ministère espagnol de l'Intérieur avait défendu l'expulsion de jeunes en 2021 et a nié qu'elle viole le droit international, arguant que ces mineurs souhaitaient rentrer chez eux. Le projet de la centrale nucléaire d'El Daba en Égypte a franchi un nouveau palier mardi avec la pose de la première pierre de sa construction. Avec une capacité annoncée de 4800 MW, la centrale fournira 7% de l'électricité du pays lors de la série. La crise dans notre monde est témoin aujourd'hui dans la chaîne internationale d'approvisionnement en énergie, souligne l'importance de la décision stratégique que l'État égyptien a prise en relançant le programme nucléaire pacifique du pays pour produire de l'électricité, car il contribue à fournir une énergie sûre, bon marché et durable, qui aide à réduire notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles et à éviter la fluctuation de leur prix. Les travaux devraient prendre fin en 2028. C'est Rosatom, entreprise publique russe spécialisée dans l'énergie nucléaire, qui est chargée de la réalisation de l'ouvrage.
En fait, une nouvelle étape de la construction d'une centrale nucléaire démarre en Égypte, d'un projet qui est le plus important pour les relations avec l'Égypte, dont la mise en œuvre, sans aucun doute, apportera une contribution significative au développement de l'économie égyptienne et aidera à renforcer sa base énergétique. Nous contribuerons à la création d'industries modernes, d'emplois qualifiés, et à la résolution des problèmes sociaux. Nous le ferons ensemble, car le nouveau système énergétique nous permet de faire tout cela. Il s'agit véritablement d'un projet phare qui s'inscrit dans les meilleures traditions de notre coopération bilatérale. Signe de la vitalité de cette coopération, la création annoncée par Vladimir Poutine d'une zone industrielle russe dans la région du canal de Suez.